means forever, ever, hold on, never mind. Oh, I... Seraph Scream, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Dark Souls 3. Donc aujourd'hui, comme dans le dernier épisode, nous avons tué du coup le premier empereur. Donc nous avons tué, il me semble, c'est pas celui-là, celui-là. Voilà. On a tué celui-là, on a mis voilà, le petit crâne. On va aller voir le monsieur. Bonjour. Merci. Ok. Très bien, très bien. Oula, faut se passer dans le mur. On va éviter. Bonjour. Ok. Comme d'hab, il me dit un truc. Alors, du coup, ouais, c'est soit ça, ou soit ça. Je peux pas comparer. Bon. Il me semble que je m'étais dans le dernier épisode de la nuit d'Avel, ouais. C'est bien ça, bon allez. Du coup, on va continuer. Je crois maintenant, on va aller dans la cathédrale des profondeurs. Ah oui, c'est vrai. On a accès dans des profondeurs. Ça, du coup, ça on a fait, on a fini. Je réfléchis. Ouais, on a fini. Du coup, il faut aller là. Abyss Watcher sur l'arène de combat. Et puis, on va aller dans la catacombe de Cartus. Voilà. On va aller dans cette petite zone et puis voilà, on va voir ce qu'on peut y faire. On va déglinguer des squelettes dans cet épisode, ça va être pas mal du tout. Par un type, du coup, c'est là-bas. Allons direction les catacombes. Là, on s'amuse. Catacombes of Cartus. Objectif de cet épisode, trouver le premier feu de camp. Je compte faire un petit épisode de 20 minutes max. Un truc vraiment pas long. Est-ce que je gagne des âmes ? Non. Donc ça veut dire qu'ils sont contrôlés par quelqu'un. Là, lui, il a l'air vulnérable quand même. Attends pas, non. Oh putain. Bon, voilà, première mort. On est là, on est là. Allez, petit re. Hop, let's go, let's go. On va essayer de pas trop mourir quand même, c'est bon. Catacombe of Cartus. Oui, du coup, les squelettes avec les yeux blancs. Ce sont des squelettes. Et moi, je me demande. Bon, voilà, c'est pas un petit truc de faisable. Lui, il était pas. Je peux descendre par là. Voilà. Ça c'est pas mieux invisible, on est bon. On est bon. Ah bah nickel ça. Cette grosse bouboule, je vais me mettre sur le côté. Voilà, bonjour, bonjour.
sais pas trop où je suis. Mais il y a l'air d'avoir. Ouais, j'ai une bonne shot. Ouais, yeah, yeah. Vous êtes pas mal les gars là. Heureusement que je vous one shot hein. Vous ne pouvez point m'avoir. Putain mais je peux pas les tuer ceux-là. Ah si c'est bon. Là il y en a un, il me semble. Il est où le dernier qui est là? Très bien, tu viens à moi comme un grand. Hop, voilà, hop. Le found le premier. Allez, relève-toi. Voilà, c'est bien. Oui, aïe, aïe. Oula, mais faut faire attention avec lui. Voilà, on les a gérés. Du coup là, par là, je sais pas où je vais. On continue la route. Là, il y a une échelle pour descendre. Moi, je descends comme as. Ça va plus vite. Soul of, je sais pas quoi. Alors. Alors j'ai un peu peur. Allez, petit re, j'ai un contretemps. Re, désolé. Oui, on fait passer un petit lui, on va le déglinguer. Oh là là. C'est quoi cette bête? Il a l'air violent un peu quand même. Tu ne laisserai pas te relever. Donne-moi de la Titanic Shard, c'est très bien. Pas un truc qui va passer sur moi là? Non, c'est bon. Bon. Je sais pas pourquoi j'ai peur, mais. Let's go, my friend. Where? Where? Où est-ce que je suis? Oh là là, je t'ai arrêté, mec. Je récupère ça. Je récupère ça. C'est des armures qu'on peut. Non. Non, non, non. Là, il y a un passage. Ah, là, il va y avoir du monde. Voilà, tu décèdes aussi. Ouais, je sais pas où je vais, mais... Oh! Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Non, je dois, non, je l'ai pas vu. Ok, on lui dira. Ok. Ok, ok, on lui dira. On lui dira. On lui dirait. Oh! Alors ça, c'est pour moi hors de question. Là-bas, il y a un truc à récup. Ok, pour les saignements, là. Y'a plus rien à faire, je peux tomber ou c'est un piège? C'est un piège, c'est un piège. On va donc pas y aller. Du coup on a retrouvé notre pote. Notre petite chevaleresse qui a perdu son compagnon Horace. Semblerait-il. Alors. On s'est débarrassé de tous les petits soldats. Moi je vais remonter.
Je vais passer par là, récupérer mes petites âmes. Du coup, on s'est fait toute cette première zone en très peu de temps, en vrai, donc ça va, je suis assez content. Toi, mec, normalement là, je te one shot. Hein. Bah ouais, j'allais dire. Par contre, il meurt pas. Ce squelette-là, à l'entrée, je peux le tuer à l'infini. Regardez-moi ça. Ah si c'est bon. Faut le tuer deux fois en fait. Ok. Mais c'est bon, c'est pas grave. Là il y en a un. On va le sauter dessus. Coucou copain. T'as pas le temps de tirer, je t'explique. T'as juste le temps de mourir. Voilà, c'est bien. Oh là là là. Alors lui, il a les yeux blancs, donc c'est dire qu'il est invincible. Je crois que c'est ça l'histoire de cette zone. Genre t'as des squelettes, ils sont invincibles. Enfin il faut... Ouais, je peux pas le tuer. J'ai essayé de le tuer deux fois. Je crois que lui il est... Si je peux pas le tuer en deux fois, c'est qu'il est bel et bien invincible. Bah il a plus les yeux blancs, donc en fait je pense que c'est ça. Ceux qui ont les yeux blancs, ouais c'est ça. Ok, ok. Bon, on progresse, on progresse. Coup là il y avait un truc à récupérer, donc maintenant comment je fais? Eh bien, il semblerait que je sois bien obligé d'utiliser un os. Ah non, là il y a un passage, je l'avais pas vu. Mais non, là il y a un mur invisible. Ouais, mur invisible, ce qui m'emmène je sais pas où. Oh, il y a quelqu'un. Ah non. Oui. Oh, je sais pas pourquoi j'ai eu peur. Je vais sauter, je sais pas pourquoi je vais sauter. Je suis bizarre. Du coup, tout ça on a exploré, tout ça on a exploré. Je peux remonter. Je vais essayer d'aller trouver un feu de camp quand même, parce que bon. On tombe dans les catacombes, on tourne dans les catacombes, excusez-moi, et on ne trouve pas de feu de camp. Donc bon. Voilà quoi. Là je sais pas où je suis par contre. Ah si, là je suis là, ok. Wouah! Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ok, je suis pas dans le même endroit en fait. Faire attention à son pote. Ok, j'ai touché l'autre en même temps. Ok, j'en ai tué deux. Du coup, en fait, là, je suis dans une autre zone. Je suis pas dans la même zone que tout à l'heure, on dirait. Là, je récupère ça. Oui, aïe, aïe. Oh, il me reste un PV. Moi, j'ai eu peur. Oh, là, je vous cache pas que là, j'ai eu un peu peur. Il va falloir qu'on passe. Du coup là normalement j'ai fait. Là-bas il y a un truc à récupérer. Pourquoi ça brille? Là il y a un truc qui brille là-bas. Je vais aller voir je pense. Là-bas il y a un truc qui brille, je vais aller voir. Ça me paraît bien étrange cette histoire. Hop, désolé. Ok, on y va, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Oui, j'ai eu peur. Tu vois, du coup, là, il y a un truc qui brille. Mais pourquoi ça brille? Bon, je ne sais pas. Mais il y a un truc qui brille. Je crois que cette boule elle one shot, genre elle pousse, elle vous fait jeter du truc genre. Ça passe. Ça passe, ça passe. Alors, du coup là, je sais pas où je suis par contre. Je peux pas relever ça, ok. Du coup là on est dans la suite. Des catacombes, on va se les faire.
Oui. Ça va, tranquille. Allez. Toi, tu décèdes. Il y a des trucs qui sortent de je sais pas où. Ah, c'est lui qui les jette. Bon, je vais vite m'en occuper parce qu'il me saoule. Faut que je fasse attention aux vases. Je crois que c'est des vases fermés. Il faut pas que je casse. C'est ça. Et moi, bien sûr. Vu que je suis con. Oh, j'ai pas bien compris le fonctionnement, je crois. On va s'en sortir, vous inquiétez pas. C'est catacombe. Ah là là. Du coup, ces derniers temps, ouais, j'ai pas trop le temps de faire des vidéos. Du coup, je fais qu'une vidéo par semaine, le mercredi. Voilà. En ce moment, je suis que sur Dark Souls 3, Ghost of Tsushima. Pour le moment, j'arrête un petit peu. The Forest, pareil. Donc là, je fais que du Dark Souls 3. Voilà. Ouais, parce que je suis au lycée, donc il y a des épreuves et tout qui arrivent en fin d'année. Et puis après, grandes vacances, j'aurai tout le temps de vous faire des vidéos. Ne vous inquiétez pas. Du coup, on va prendre le raccourci, parce que ça va aller plus vite. Le même raccourci que tout à l'heure. Hop, hop.